abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Il n'est pas rare que les enfants s'inspirent des métiers de leurs parents, surtout dans le milieu du cinéma. Isabelle Huppert, qui s'est imposée au fil des années comme l'une des actrices françaises les plus respectées de sa génération, a su inspirer sa fille aînée, Lolita Chama, également devenue comédienne. Une passion familiale puisque le père de Lolita, Datalin People Legal est 2492F97-541-4083B603D4M6EB8532F4. Ronald Chama est un producteur reconnu qui a également réalisé plusieurs films. Et lorsqu'on fait le même métier que sa mère, l'envie de jouer avec elle devient irrésistible, comme le confirmeront Laura Smet et Nathalie Baye, qui se sont notamment prêtés au jeu dans 10%. Aussi soudés dans la vie qu'à l'écran, Lolita Chama et Isabelle Huppert se sont donné la réplique au cinéma à plusieurs reprises. Plus récemment en 2017, dans le film Barrage. Il y a quelques mois, Lolita Chama avait accepté d'évoquer, dans les colonnes de Téléstar, la manière dont elle gérait d'être constamment associée à sa très célèbre mère. Cette filiation, je la trouve compliquée mais je l'assume parce que c'est ma vie, avait-elle confié. Dans un entretien accordé à elle, la comédienne s'était déjà épanchée sur son enfance. Heureuse avec des parents bienveillants, inculquant à leurs enfants une ouverture d'esprit, une curiosité de l'autre, un rapport insatiable au monde. Il y a eu des moments difficiles, forcément. Il faut trouver son propre endroit. Une chambre à soi, comme dirait Virginia Woolf, avait-elle néanmoins reconnu. Dans leur intimité, sur les plateaux de tournage ou même au premier rang des défilés de mode, Isabelle Huppert et Lolita Chama semblent s'entendre à merveille, elles qu'on pourrait confondre avec des sœurs tant elles se ressemblent.